Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Science 9, module de biologie, au sujet des techniques de reproduction assistée. Alors, les techniques de reproduction assistée, c'est des méthodes que les humains utilisent quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc, pour dealer avec ces cas d'infertilité-là, il y a quatre techniques qu'on va voir aujourd'hui. La première s'appelle l'insémination artificielle. La deuxième sera la fécondation in vitro. Ensuite, on va parler du transfert tubaire des gamètes et finalement l'injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde. Donc, ces quatre techniques-là peuvent être choisies dépendamment de la raison de l'infertilité et chacune va avoir des avantages et des inconvénients et des difficultés. Donc, commençons avec l'insémination artificielle. Cette procédure-là, c'est la plus simple. On peut l'utiliser non seulement chez les animaux, mais aussi chez les humains. Et cette procédure-là, il faut juste prélever le sperme d'un donneur mâle et l'insérer directement dans le vagin de la femelle. Donc, les spermatozoïdes du sperme vont pouvoir aller féconder l'ovule qui est déjà présent à l'intérieur de la femelle. On peut l'utiliser soit chez les animaux de ferme ou même les animaux de compétition. Et évidemment qu'on peut l'utiliser chez les humains aussi. Dans le cas des humains, on peut prendre le sperme du conjoint de la femme qui va être enceinte ou on pourrait prendre un donneur anonyme. Il y a des banques de sperme qui sont disponibles. Donc, quel type d'infertilité pourrait être traité avec l'insémination artificielle? Chez les humains, les couples infertiles devraient être infertiles pour certaines raisons précises, entre autres, comme exemple, on peut donner le cas des hommes qui n'ont pas assez de spermatozoïdes ou ces spermatozoïdes ne sont pas assez mobiles, ça veut dire qu'ils ne se déplacent pas assez bien. Donc, on pourrait utiliser l'insémination artificielle dans ce cas-là. Ça va augmenter les chances. Ça pourrait être le cas des femmes qui veulent avoir un bébé sans avoir de mari, soit parce qu'elles choisissent d'avoir un bébé seul ou soit parce qu'on parle d'un couple de femmes homosexuelles. Donc, c'est toutes des situations et il y en a d'autres où l'insémination artificielle serait utile. On pourrait même le faire chez les animaux, on va le faire chez les chevaux ou chez les chiens qui sont des champions de compétition et on veut que ce mâle-là fasse des bébés en espérant que les bébés aient les mêmes qualités que le papa chien ou le papa cheval. Ou on pourrait le faire chez certains animaux de ferme, comme si on a un bœuf qui est très musclé et que ses bébés produisent beaucoup de viande et qu'on peut réussir à vendre cette viande-là pour la consommation humaine, ben on va pouvoir prendre le sperme de ce bœuf-là et le mettre dans plusieurs vaches pour faire plusieurs bébés qu'on espère vont avoir autant de viande que leur papa. Donc, ce seraient des exemples où l'insémination artificielle est utilisée. L'autre façon, c'est la fécondation in vitro. Donc, si l'insémination artificielle ne fonctionne pas ou si elle n'est pas possible à cause que la raison d'infertilité est différente, ben à ce moment-là, on peut utiliser la fécondation in vitro. Et c'est beaucoup plus compliqué parce que pour faire la fécondation in vitro, non seulement il faut aller chercher le sperme d'un donneur mâle, mais en plus, il faut aller chercher les ovules de la femme. Et là, on prend les spermatozoïdes et on prend les ovules et on les mélange ensemble dans un petit contenant, une éprouvette ou un vase de pétri. On les mélange ensemble dans un petit bol et on espère qu'il y ait un zygote qui va se former. Et lorsque le zygote est formé, on va prendre cet embryon-là et on va le mettre dans la maman. Donc, on va mettre le zygote dans une longue tube de plastique et on va aller l'insérer à l'intérieur de l'utérus de la maman en rentrant par le vagin. Donc, c'est assez facile d'aller insérer le zygote. L'insertion vaginale par le petit tube, ça va bien, mais aller chercher les ovules, ça, c'est difficile. Et non seulement et parce que c'est difficile, on va s'assurer d'aller en chercher plusieurs en même temps. Donc, souvent, on va donner des médicaments à la maman pour qu'elle produise plusieurs ovules et on va aller chercher ces ovules-là tous en même temps par une intervention chirurgicale. Quand même, il va falloir aller faire un petit trou dans sa peau pour aller chercher ça dans les ovaires. Donc, c'est pas agréable et c'est donc coûteux. Ça prend de l'argent pour faire cette procédure-là. Alors qu'on s'entend que faire un don de sperme, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus plaisant.
Donc, l'homme a le beau rôle là-dedans. Il a seulement qu'à donner ses spermatozoïdes. Ça va y prendre quelques minutes. Mais la femme doit prendre des médicaments pendant plusieurs jours. Et après ça, elle doit avoir une intervention chirurgicale pour qu'on aille chercher ses ovules. Donc, c'est une procédure qu'on ne fait pas fréquemment. Il faut vraiment avoir des bonnes raisons de la faire. Quel genre de raison? Bien, pour parler encore des couples infertiles, dans ce cas-là, ça pourrait être par exemple si une femme, elle n'a pas assez d'ovules. Les femmes, souvent, quand elles deviennent plus vieilles, elles vont avoir des hormones qui diminuent de concentration. Et là, il va avoir moins d'ovules, donc c'est plus difficile de tomber enceinte. Donc, plus la femme vieillit, plus c'est difficile d'avoir un bébé. Et une des solutions, ça serait d'essayer la fécondation in vitro. Une autre situation, c'est si une femme a un utérus trop faible ou si elle a des polypes sur l'utérus et à cause de ça, elle ne peut pas porter le bébé. Ben à ce moment-là, elle pourrait demander à une mère porteuse. Ça veut dire qu'ils vont créer le zygote, ils vont prendre les spermatozoïdes du papa, ils vont prendre les ovules de la maman, ils vont faire un petit embryon avec ça. Mais au lieu de mettre l'embryon à l'intérieur de la maman, ils vont mettre l'embryon à l'intérieur d'une autre femme. Et là, l'autre femme va porter le bébé pendant 9 mois. Et à la fin du 9 mois, quand elle va accoucher du bébé, elle va le donner à la vraie maman, celle qui avait donné ses ovules. Donc, ce serait une autre raison. Et dans certains cas, si la femme n'a même pas assez d'ovules, même pas de bons ovules à donner, ça se peut qu'elle aille aussi chercher des dons d'ovules. Donc, ça se peut qu'elle aille demander à quelqu'un d'autre de lui donner ses ovules. Donc, la fertilisation in vitro peut avoir plusieurs situations qui vont être appropriées pour l'utiliser. Une autre situation qui serait appropriée, ça serait si la madame elle a des problèmes avec ses trompes de Fallope. Ses trompes de Fallope sont bouchées, sont bloquées, et donc l'ovule n'arrive pas à se rendre jusqu'à l'utérus et les spermatozoïdes n'arrivent pas à se rendre jusqu'à l'ovule et le féconder. Donc l'insémination artificielle serait pas utile dans ce cas-là et on n'aurait pas le choix de faire une fertilisation in vitro. Et il y a d'autres situations, là, c'est juste trois que je te donne, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est les plus évidentes, à mon avis, qui sont ces trois-là. Une autre situation, on pourrait peut-être faire de la fertilisation in vitro, c'est si on veut faire des expériences en laboratoire sur des embryons d'animaux, de rats ou des animaux sur lesquels on veut faire des manipulations génétiques. Et chez les humains, on pourrait, si on voulait, créer un bébé qui est génétiquement compatible avec un grand frère ou une grande sœur et que ce bébé-là pourrait après faire des dons de sang ou faire des dons de moelle épinière ou faire des dons de rein pour guérir son grand frère ou sa grande sœur qui serait malade. Donc ça serait une autre raison de faire de la fertilisation in vitro. Comme ça, on pourrait choisir quel embryon est le plus génétiquement proche de son grand frère ou sa grande sœur, donc lequel est compatible. Évidemment, il faut créer plusieurs embryons pour réussir à en avoir un qui serait compatible. Donc ça peut apporter des grands débats éthiques, des grandes discussions. Et comme j'ai dit, on pourrait aussi faire des expériences sur des animaux pour découvrir des choses importantes en termes de génétique. Mais c'est pas une procédure parfaite. Il y a quand même des questions qu'on se pose, il y a quand même des problèmes qui arrivent. Mais c'est assez commun. Assez commun pour qu'on ait Céline Dion qui a réussi de faire la fertilisation in vitro. Donc, comme on le voit sur cette photo, son mari est beaucoup plus âgé qu'elle et ils ont eu de la difficulté à concevoir un bébé. Ils ont essayé pendant plusieurs années, ça ne fonctionnait pas. Donc, finalement, ils sont allés en fertilisation in vitro. Et elle a eu son garçon en premier, celui du milieu, là, qui a la cravate noire. Donc, lui, il est plus vieux. Et elle a fait congeler ses embryons. Donc, 8 ans plus tard, elle a choisi d'avoir un deuxième enfant. Donc, elle est retournée à la clinique. Ils sont retournés chercher l'embryon qui était congelé. Et là, ils ont pris l'embryon et ils l'ont mis à l'intérieur de son utérus. Et puis, aux surprises, l'embryon a décidé de faire 2 bébés. Donc maintenant, elle a non seulement son grand garçon, mais elle a 2 bébés, 2 jumeaux identiques. Donc ça arrive souvent avec la fécondation in vitro. Tu peux aller voir, il y a plusieurs histoires de jumeaux avec fertilisation in vitro. Donc c'est un des effets secondaires plus ou moins bien compris
de la fertilisation in vitro. Une autre raison des grossesses multiples, c'est parce que, ben, surtout au début, quand on a commencé à faire de la fertilisation in vitro, ça ne fonctionnait pas toujours. On pouvait mettre un, deux ou trois embryons à l'intérieur de la maman, puis il y en avait seulement un qui fonctionnait, qui réussissait à faire un bébé. Donc, on en mettait plusieurs en espérant qu'il y en ait un qui fonctionne. Ben, dans certains cas, les deux fonctionnaient, ou les trois fonctionnaient. Ou dans le cas de cette madame ici, les huit ont fonctionné. Donc, cette madame-là a eu 8 bébés dans son ventre en même temps. Oui, ça fait une grosse bedaine. Oui, ça fait un accouchement difficile. Et habituellement, les médecins ne voudraient pas que la madame garde les 8 bébés. Quand on a une grossesse multiple comme ça à plusieurs bébés, souvent les docteurs vont faire une échographie, vont regarder les bébés. Ils vont regarder lesquels ont une meilleure chance de survie, lesquels qui sont mieux développés, lesquels qui sont trop petits. Et ils vont parfois offrir à la maman de faire un avortement sélectif. C'est-à-dire, ils vont aller choisir les bébés qui ont les meilleures chances de survie et ils vont avorter les autres. C'est ce qui est préférable de faire pour non seulement la survie de tous les bébés, mais évidemment aussi la survie de la maman. Parce qu'avoir 8 bébés dans un ventre comme ça, c'est même difficile de rester debout, c'est difficile de bien manger, de bien dormir, de bien faire pipi même. Donc, c'est vraiment mieux pour la survie de la maman de ne pas avoir trop de bébés dans son ventre. Donc, l'avortement sélectif, c'est une des options qui avait été donnée à cette dame-là lorsqu'elle avait les 8 bébés dans son ventre. Mais elle, pour des raisons personnelle, des raisons religieuses, elle a choisi de ne pas faire l'avortement sélectif. Heureusement, elle a été chanceuse, les 8 bébés sont nés, les 8 bébés étaient en relativement bonne santé, donc les 8 bébés ont survécu et elle aussi, mais statistiquement, il n'y avait pas trop de chances que ça arrive. Donc, elle a été très chanceuse, la madame, que ces 8 bébés survivent. Habituellement, les docteurs vont préférer faire un avortement sélectif pour maximiser les chances de survie de la maman et des bébés qui restent. Donc, les grossesses multiples, c'est quelque chose qui va souvent arriver. Dans ce cas-là, si c'était plusieurs embryons, ça va faire des jumeaux qui ne sont pas identiques. Je crois que dans le cas de cette dame, il y avait plusieurs embryons, pas 8. Il y a certains de ces embryons-là qui, en plus, ont fait des jumeaux identiques. Donc, c'est 8 jumeaux parce qu'ils sont tous nés la même journée, mais au travers de ces 8-là, il y a peut-être, je ne me souviens plus si c'est 2 ou 3 couples de jumeaux identiques. Donc, Anna, plein les bras. Donc, ça, c'était pour la fertilisation in vitro. La prochaine technique, c'est une technique qui est en fait un petit peu plus ancienne que la fertilisation in vitro. Ça s'appelle le transfert tubaire des gamètes. Et cette technique-là, c'est quand on mélange le spermatozoïde, donc le sperme du papa. On le mélange avec les ovules de la maman. Donc, ça implique qu'il a fallu qu'on aille chercher les ovules par la même procédure dont on a parlé tantôt, par les médicaments et par la petite mini-chirurgie. Et là, on mélange les deux ensemble, mais on se dépêche à insérer le mélange dans les trompes de dans une des trompes de Fallope de la maman. Et c'est dans les trompes de Fallope de la maman que la fécondation va se faire. C'est pendant que le mélange est dans la maman que le spermatozoïde va fertiliser l'ovule. Donc, c'est différent de la fertilisation in vitro parce que le bébé va se créer à l'intérieur de la mère. Donc, ce qu'on va insérer, ce qu'on va injecter dans la maman, c'est le mélange des gamètes. Ce n'est pas l'embryon. Donc, c'est ça la grosse différence avec la fertilisation in vitro. Cette technique-là a été faite avant la fertilisation in vitro pour, encore une fois, les couples infertiles. Par exemple, là, je donne des exemples différents de tantôt juste pour ne pas répéter la même chose, mais par exemple, si le papa a trop peu de spermatozoïdes, ou si tout simplement on ne sait pas pourquoi est-ce que le couple est infertile, on n'a pas trouvé la raison. Peut-être que on a testé le nombre de spermatozoïdes, puis c'était correct, on a testé les ovules, puis c'était correct, et tout était beau, et on ne comprend pas pourquoi le couple est infertile, ben on pourrait essayer cette procédure-là.
Mais ça peut être aussi pour des raisons personnelles. Même si cette technique-là, elle a été faite avant la fertilisation in vitro et que depuis que la fertilisation in vitro existe, on fait de moins en moins de transfert tubaire des gamètes. Il y a des gens qui choisissent de faire ça quand même parce qu'ils préfèrent l'idée que la fécondation se fasse pendant que les ovules sont dans la mère plutôt que pendant qu'ils sont dans un laboratoire. Ça, c'est des raisons personnelles. On ne peut pas discuter contre ça. C'est leur choix. Mais la fécondation in vitro est devenue vraiment meilleure qu'avant. Donc, il y a de moins en moins de transferts tubaires des gamètes qui se font. Parce qu'on peut rentrer le zygote à l'intérieur de la maman juste par un long tube à l'intérieur du vagin, alors que pour rentrer les gamètes à l'intérieur des trompes de Fallope, ça a une procédure qui est plus chirurgicale. Donc, c'est par la laparoscopie, fait que c'est plus invasif, un petit peu comme procédure. OK. La dernière technique, c'est l'injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde. Beaucoup de grands mots, mais pourtant, tu connais la plupart de ces mots-là. Évidemment, le mot spermatozoïde, tu le connais, donc c'est la gamète mâle. Le mot injection, tu dois connaître ça aussi, donc c'est quand on prend une aiguille, on te fait une injection de médicament, par exemple, c'est qu'on va te piquer la peau pour rentrer le médicament dans ton corps, donc ça, c'est une injection. Et le grand mot intracytoplasmique, ben c'est tous des mots que tu connais. Intra, ça veut dire intérieur, donc à l'intérieur du quoi? À l'intérieur du cytoplasme. Le cytoplasme, souviens-toi que c'est le liquide qu'il y a à l'intérieur de la cellule. Quelle cellule? Ben, demande-toi, dans quelle cellule est-ce qu'on voudrait injecter un spermatozoïde? Ben, c'est dans l'ovule. Donc, cette procédure-là, c'est simplement quand on essaye d'injecter un seul, juste un spermatozoïde directement dans un seul ovule. Donc, on ne va pas les mélanger et se croiser les doigts en espérant que ça fonctionne. On va forcer le spermatozoïde à rentrer à l'intérieur de l'ovule. Et évidemment que ça va créer un zygote et qu'après ça, si on veut que l'embryon puisse grandir, il va falloir le rentrer dans la maman. Pareil comme pour la fertilisation in vitro, ça va être simplement par une long tube très, très mince qui va pouvoir rentrer par voie vaginale. Donc, c'est vraiment tout petit. Ici, on a un gros plan. Donc, on a l'ovule dans le milieu et on a une petite aiguille à gauche qui va essayer de faire rentrer le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule. Dans quel cas est-ce que ça serait utile de faire ça? Bien là, ça dépend, encore une fois, de la cause de l'infertilité. Si les spermatozoïdes sont trop difformes pour faire des bébés, bien on va pouvoir le forcer à rentrer à l'intérieur de l'ovule. Donc, ça pourrait être une des raisons. L'autre raison, c'est si l'ovule de la femme n'arrive pas à se faire pénétrer par un spermatozoïde parce qu'il y a une coquille trop dure, par exemple, bien on va pouvoir forcer cette coquille-là à se faire percer pour faire rentrer le spermatozoïde qu'on aura choisi. Donc, ça, c'est nos quatre techniques. C'est des explications, évidemment, qui sont très simplifiées. Faudrait juste comprendre les principes derrière chacun et surtout dans quel cas c'est utile ou pas. Et ce que tu as dans ton document, à la dernière feuille de ton document, je sais qu'il reste une diapositive en bas, mais on va la sauter pour l'instant. Retourne jusqu'à la dernière feuille de ton document, tu auras quatre images. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu identifies chacune de ces images-là par le bon titre. Le titre « Insémination artificielle », oh, il manque un « i » majuscule. Le titre « Fécondation », le titre « Transfert tubaire des gamètes » et le titre « Injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde ». Donc, je laisse les quatre titres à l'écran. Ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que tu prennes quelques minutes pour essayer d'identifier les quatre images. Pèse sur pause. Jusqu'à temps que tu auras identifié tes quatre images et après ça, tu pourras vérifier tes réponses. Tu dois peser sur pause, là. Fais pas juste attendre les réponses. Je veux que tu essaies d'écrire tes propres réponses. Non, je sais que tu attends. Allez, écris tes réponses. Écris-en au moins une. Essaie quelque chose. Regarde les images et relis les définitions. Il y en a au moins une, sinon deux, que tu serais capable de faire facilement. Essaie au moins. OK, fine, je vais te donner les réponses.
Donc, la première image, celle où on voit un spermatozoïde qui rentre dans l'ovule et l'ovule ensuite va créer un zygote et ces embryons-là vont pouvoir être insérés dans la maman. Ça, c'était l'injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde. La deuxième image qu'on voyait, c'était des spermatozoïdes qui vont être insérés dans la maman. Donc, il n'y a pas de zygote qui est créé en laboratoire. En bas, ça disait le sperme du conjoint ou d'un donneur recueilli au laboratoire. Donc, ça, c'était l'insémination artificielle. La troisième image, on voyait la trompe de Fallope au-dessus de l'ovaire et on avait un mélange de spermatozoïdes et d'ovules qui étaient insérés dans la trompe de Fallope. Donc, ça, c'était le transfert tubaire des gamètes. Et la dernière image, où on voyait les spermatozoïdes et l'ovule qui étaient mélangés ensemble pour créer un zygote, et ce zygote-là va être entré dans la maman. Ça, c'était la fécondation in vitro IVF. Alors, ces techniques-là, on revient à la dernière diapositive qu'on avait sautée tantôt, celle qui s'appelait les problèmes de ces techniques. Il y a plusieurs problèmes, évidemment, des problèmes, ça peut être soit des problèmes médicaux, ça peut être aussi des problèmes éthiques. Ça peut être. Il y en a plusieurs, je n'ai pas mis tous les problèmes ici, là. Donc, le premier que je veux te parler, c'est les déformations congénitales. Dans le passé, moins aujourd'hui, heureusement, les recherches sont meilleures, mais dans le passé, on avait réalisé que beaucoup de bébés qui étaient nés par ces techniques-là avaient plus de chances, statistiquement, de peut-être arriver au monde avec plus de déformations congénitales. On ne sait pas trop pourquoi. Mais les techniques se sont améliorées et c'est de moins en moins vrai. Donc, heureusement, les bébés qui sont créés par ces techniques-là sont de plus en plus en santé. Mais il y a pas 100% des chances de réussite. Donc, quand on va faire des fécondations in vitro, par exemple, si on revient à l'histoire de Céline Dion, elle a dû essayer 6 fois avant de réussir à être enceinte de son premier garçon. Donc, les 5 premières fécondations in vitro, ils n'ont pas fonctionné et à chaque fois, c'est plusieurs milliers de dollars qu'il faut payer. Donc, ce n'est pas 100% certain et quand ça fonctionne, dans le passé surtout, il y avait beaucoup de déformations congénitales. Si on revient encore une fois à l'histoire de Céline Dion, il y a des surplus d'embryons qui sont congelés. Donc, dans le cas de Céline Dion, elle a choisi 8 ans plus tard d'utiliser un des embryons qu'elle avait congelé et à faire un autre bébé avec. Bon, finalement, c'est des jumeaux, mais elle a utilisé un embryon qui avait été créé 8 ans avant. Donc, elle a attendu 8 ans entre le moment où ils ont fait la procédure in vitro et le moment où elle a mis l'embryon dans son ventre. Maintenant que son mari est décédé, est-ce qu'elle va vouloir aller utiliser les autres embryons qui sont congelés? Qu'est-ce qu'on va faire avec les embryons qui sont congelés, qui n'ont pas été utilisés? Est-ce qu'on va tout simplement les détruire? Est-ce qu'on pourrait les utiliser pour étudier les cellules souches? On a parlé des cellules souches auparavant. Est-ce qu'on pourrait les utiliser pour faire un don? Est-ce que ça pourrait être porté par une autre maman qui n'arrive pas à avoir d'enfant? Donc, est-ce qu'on pourrait le donner ou le vendre à un autre couple infertile? Donc, beaucoup de questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse parce que c'est beaucoup des questions éthiques, c'est beaucoup des choix de société. Ce n'est pas vraiment des questions médicales ou scientifiques. Donc, c'est des débats de société. Et dans le cas des donneurs, soit les donneurs de sperme ou même les donneurs d'ovules, est-ce que c'est vraiment juste pour l'enfant de ne pas connaître son père biologique ou dans le cas des dons d'ovules, sa mère biologique? Ça pourrait créer des problèmes avec les histoires médicales. Donc, tu ne sais pas si l'homme qui a donné son sperme, c'est quoi son histoire médicale. Est-ce qu'il y a des histoires de diabète dans sa famille? Est-ce qu'il y a des histoires de maladie du cœur dans sa famille? Est-ce qu'il y a des histoires de cancer dans sa famille? Tu ne sais pas c'est qui ton père, donc tu ne sais pas de quoi il est mort, donc tu ne sais pas s'il est décédé justement d'un cancer et toi, ben, tu as plus de chances d'avoir un cancer statistiquement s'il y a des cancers dans ta famille ou il y a plus de chances que tu aies des maladies comme le diabète, comme je disais tantôt, s'il y en a dans la famille. Donc, de ne pas connaître tes parents biologiques, ça veut dire que tu ne connais pas ton histoire médicale. Tu connais pas tes antécédents familiaux. Donc, peut-être que certains enfants pourraient
se sentir mal de ne pas connaître ses antécédents familiaux. Donc, ça, c'est des problèmes des techniques, mais évidemment qu'il y en a plusieurs autres que je n'ai pas écrit là. Donc, ce n'est pas des techniques qu'on utilise dès la première fois. On va aller préférer que les couples essaient de façon naturelle pour faire des bébés, mais si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, au moins on sait qu'il y a des choix dans les cas d'infertilité. Alors, on se revoit en classe. J'espère, tu peux toujours écouter la vidéo si tu as manqué des informations, mais j'espère que tu avais suffisamment de temps pour écrire tout ce qui te manquait sur ton document. Donc, bonne fin de semaine et on se revoit plus tard. Bye!